Bonjour à vous, les belles âmes. Notre joie est là de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps méditatif. Un temps de retour à vous, plongé dans l'harmonie douce de l'énergie. En effet, soutenus par nos intuitions, nous entendons aujourd'hui le besoin de soutenir chaque pas de ce voyage intérieur par l'énergie de libération, de paix et de confiance, afin d'aller sans peur vers ces nouvelles pages qui s'ouvrent à vous. Installez-vous dans votre confort. Et choisissez de fermer vos yeux. Une bascule douce de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est un voyage au cœur de vous-même que vous démarrez. Vos pensées circulent encore. Il n'est nullement question de faire le vide. Laissez-les être à leur façon. Et comme un cheval au galop, laissez-les galoper sans tenter de les dompter. Pour le moment, il n'est pas l'heure de les écouter, ces pensées. Permettez-leur de s'évaporer dans leur espace et portez votre regard vers votre respiration. Le mouvement intérieur est là, peut-être subtil, ou beaucoup plus présent. Peut-être avez-vous besoin de respirer à plein poumon, de soupirer et encore de bâiller. Peut-être ressentez-vous à peine le mouvement de votre buste qui se gonfle et se dégonfle. Tout va bien et tout est juste. Écoutez ce qui est là. Percevez ce qui se pose pour vous maintenant. Puis, en confiance, laissez-vous porter par le flux de relaxation. Laissez-vous vivre ce moment avec douceur, bienveillance et apaisement. Car ici, à l'intérieur de vous, dans votre bulle, vous pouvez être qui vous êtes, sans masque, sans voile. C'est un temps de vous, à vous. Un temps de rencontre et d'étreinte douce avec votre âme. Un temps sans jugement, sans analyse, sans interprétation.
Laissez l'énergie douce vous envelopper. Et dans sa présence, c'est peut-être le rose qui apparaît. Sur l'écran de vos paupières fermées, vous visualisez le rose. Il prend la forme d'un point lumineux. Vous regardez le point. Vous le laissez grandir. Devant vous se présente une fleur, et plus particulièrement une fleur de lotus. Vous la regardez. Son ouverture. Son éclat. Sa couleur. En son cœur, le rose est plus intense. Il appelle votre regard et celui-ci ose s'y plonger. Le rose est présent, plus dense et de plus en plus soutenant. Vous vous laissez embarquer dans la couleur d'amour. Et alors même que le rose vous enveloppe, vous sentez votre corps et ses tensions s'alléger. Le rose s'élance dans son flux d'amour et parcourt votre visage. Vos yeux se déposent. Vos sourcils se défroncent. Les traits de votre visage s'apaisent. Le flux d'amour divin parcourt votre tête, laissant sur son passage la douceur d'un instant relax. Votre gorge se libère de ce qui l'enserre. Elle respire, elle s'ouvre. Écoutez subtilement le message rose qui souffle. Ose, ose être toi, te dire et te libérer des poids. Vous respirez. La couleur rose poursuit son chemin, laissant dans chaque espace de votre corps une énergie douce et apaisante. Vos épaules se relâchent, laissant tomber le poids d'un sac à dos devenu trop lourd. Vos bras se laissent aller à l'accueil aimant de la terre. Votre dos s'étend. Et chaque muscle tendu se détend. Tout va bien. Vous laissez aller vos jambes à la relaxation,
jusqu'au bout des pieds. Vous vous laissez aller dans le rose et son support cotonneux. En cet endroit, vous ne risquez rien. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous respirez calmement. À la prochaine inspiration, vous amenez ce rose dans votre cœur. À l'expiration, vous imprégnez votre cœur de la couleur rose. Inspire, votre cœur se teinte en rose. Expire, le rose s'expanse dans tout l'espace de votre cœur. Inspirez dans l'espace sacré de votre cœur. Expirez et le rose se diffuse dans tout votre corps. Chacune de vos cellules se teinte de la couleur rose. À l'intérieur de vous se dépose l'énergie d'amour. Et chaque souffle la fait grandir. Vous respirez dans l'intention d'intensifier en vous cette nourriture divine. À cet instant, vous rayonnez. Vous accueillez vos sensations, vos émotions. Devant vous, un livre apparaît. Sans même que vous n'ayez rien à faire, il s'ouvre sur une page blanche. Et en lettres d'or, apparaît la phrase: ce que je désire pour moi. Vous savez que cette page est pour vous et que maintenant, vous allez pouvoir laisser votre âme s'exprimer. Car en cet instant, c'est elle qui sait. Vous respirez avec cœur et vous laissez votre étincelle intérieure écrire sur la page. Regardez ce qui s'écrit, les mots ou les dessins qui se montrent,
qui se pose sur la feuille. Peut-être est-ce d'ailleurs toute la page qui se colore. Et peut-être avez-vous envie d'écrire encore sur les suivantes. Prenez le temps de cette rencontre, de vous à vous. Votre âme, à cet instant, est connectée à l'énergie d'amour et à votre présence divine. Qu'est-ce que je veux pour moi? Osez exprimer sans limite, sans censure. L'énergie d'amour vous relie à l'essence même de votre mission d'âme. Et peut-être, en ces mots, les prémices d'un changement. Les confirmations de vos pas. Laissez vivre en confiance. Et si rien ne s'exprime, laissez vivre le blanc du silence. Car lui aussi regorge de ses secrets. Dans ce moment, vous recevez l'énergie de création et celle de la loi d'attraction. Vous activez votre magnétisme. Ce que vous souhaitez pour vous est déjà là. L'univers met en place les pas à venir. Inspirez la confiance. Expirez les doutes. Inspirez la confiance. Expirez les peurs. Tout va bien. Tout est là, en cours. L'image de votre livre s'évapore. À tout moment, vous pourrez le retrouver et y noter de nouvelles choses. Rien au-dedans de lui n'est figé. Tout peut être modifié afin que vos souhaits se précisent et soient à votre parfaite essence. Vous retrouvez le cœur rose, intense, du lotus que vous regardiez tout à l'heure. Vous éloignez votre regard et vous le découvrez entier, rose et vert, luminescent. En remplissant ta coupe d'amour à toi, tu permets à l'autre d'être abreuvé à son tour.
Lorsque ta coupe est vide, tu ne peux le nourrir. Aime-toi, belle âme. Tu découvriras alors que dans le rose d'amour à toi, le vert d'amour à l'autre revêt la beauté du rayon émeraude de guérison. La fleur vous offre ses trésors jusqu'à s'évaporer à son tour dans la grandeur de l'univers. Vous respirez avec douceur, tranquillité. Si un sourire se glisse sur vos lèvres, accueillez sa présence joyeuse. Puis vous reviendrez tranquillement, ici, en ce moment présent, dans la pièce qui vous reçoit. Vous laisserez votre corps retrouver son mouvement, petit ou plus grand. Puis, au moment juste pour vous, vous ouvrirez les yeux. Namasté, belles âmes.